Yé, pas tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous invite avec moi sur le sujet autour du management d'entreprise et de collaboration au regard du management des équipes. Et notamment, je vais essayer d'expliciter un terme qui est un peu à la mode, c'est le terme de coopétition. Voilà, et la coopétition, en fait, est-ce que ce moyen permettra-t-il de construire en fait des groupes de travail qui se voudraient plus intelligents et plus innovants? Donc voilà, alors ça répond à une problématique que j'ai traitée dans d'autres castes. On a eu une problématique de l'optimisation de l'humain par le travail à la chaîne. Et puis après, on a eu une problématique liée à l'optimisation de l'humain en lui-même, reposant en fait sur son intelligence émotionnelle, sur la psychologie et autres. Donc la coopétition, c'est quoi? Si on regarde un peu ce que dit Wikipédia, en fait, Wiki, il précise différents termes. Pour lui, la coopétition, en fait, c'est une association de deux termes. Un terme visant la coopération et la compétition. En d'autres termes, compétition, mise en concurrence. Donc, en fait, c'est une action qui vise à intégrer deux notions stratégiques simultanément, la coopérer tout en étant compétitif. Donc ça permet de mettre en place en fait une synergie de groupe en termes de cumul des intelligences collectives, enfin des intelligences individuelles pour mettre en place une intelligence collective. Et on pousse les limites parce que en impulsant la compétition, la concurrence entre les sujets, on pousse tout simplement la créativité. Donc on devient plus productif. Donc moi je dirais que voilà, on utilise le potentiel de l'intelligence humaine, on pousse le potentiel de l'intelligence humaine par cet outil de communication, on va dire stratégique, ou cet outil de management stratégique. Alors il faut savoir qu'il y a plein de différents niveaux de collaboration et de modes de collaboration dans une entreprise. On va pouvoir par exemple trouver donc des modes de collaboration, donc celle la plus à la mode, on parle effectivement de coopétition, par exemple qui se voudrait créative, donc c'est ça, et la synergie de groupe impulse la créativité. Après, on a d'autres formes qui pourraient être plutôt de la coopération constructive. Donc là, dans ce cas de figure, en fait, on a des entités qui sont plutôt indépendantes, mais qui travaillent quand même de concert. Voilà, mais chacun a des objectifs plutôt rattachés en fait à son corps de métier. Alors que dans la coopétition, là dans ce cas de figure, il n'y a plus des objectifs qui appartiennent à un corps de métier ou un processus, mais les objectifs sont plutôt globalisés et intégrés. Donc il y a des objectifs communs à atteindre. Après, dans différents modes de collaboration, donc on va aussi avoir en fait les modes de collaboration par concurrence interne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une collaboration des équipes qui est plutôt une faiblesse qu'une force. La force, c'est la coopétition créative notamment, ou voire une coopération qui se voudrait constructive. Et après, dans les faiblesses de collaboration d'une entreprise, on a voilà la concurrence interne, ou voire même les collaborations qui se voudraient complètement laborieuses ou alors destructives en termes de confiance en soi des salariés. Voilà. De par peut-être voilà des expériences laborieuses qui se cumulent, des objectifs qui sont trop individualisés, qui pour certains ne sont non atteignables, qui les plongent dans un climat de perte de confiance, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a compris que voilà, pour revoir en fait les stratégies au regard de la collaboration des équipes, il valait mieux plutôt donc rester dans cet objectif de compétitivité, donc voilà, pour pousser les objectifs et l'atteinte des objectifs, mais également cette coopétition qui permet de mettre en place la coopération entre les différentes équipes ou salariés pour permettre justement de linéariser potentiellement les différences au regard de peut-être nos différences liées à notre limite d'intelligence humaine. Donc là justement, on a dans cette organisation plus tendance à tirer les ressources peut-être qui sont non sachantes vers le haut. Comment? Justement en les associant en termes de synergie à d'autres collaborateurs. Voilà, pour être plus productif, efficient, tout en se sentant bien et en assurant le bien-être de chacun des salariés au sein de la structure. Voilà, je vous dis à bientôt. Yépa!